Merci. Mesdames et messieurs, venez voir tous les beatboxers de France. Quand il y a un son qui pète. Oh là 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 là. Ok. Je n'ai jamais vu ça. Tout le monde fait les mêmes sons. Et aujourd'hui, on a Emeric Eno, on a différents, on a Canton exactement, on a Camel Box, on a tous les beatboxers de France qui représentent. Grave aujourd'hui, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. On est apprécié du monde entier par nos qualités de son, nos scratchs, nos originalités. Et ça fait le beatbox en France et c'est une marque. Je suis plus un humain, ça y est, c'est fini. Je suis plus un humain, je suis un instrument. Oh!
c'est de la rigolade quoi. Ça fait 12-13 ans que je fais ça, j'ai commencé à l'école pour faire rire les copains et je fais ça comme ça quoi. D'ailleurs j'y crois pas des trucs. Max Spoon, Max Spoon, Fire Bros, originalité, variété. Il y a du lourd, du très très grand. J'espère que j'irai haut. Hey, si je fais un truc, vous bougez là? C'est pas parce que je fais de la jungle ou de la hard tech dans mon beatbox que j'écoute ça. J'écoute des milliers de musiques différentes et c'est devenu une sorte de tic. Donc je fais ça tout le temps. Il y en a qui arrivent à toucher leurs bras avec leurs pouces, tordre leurs doigts. Bah, moi, c'est faire la jungle hyper précise, hyper rapide, hyper incisive. Oh, my God.
You know that you changed my world.
I love you so much. Ce qui s'est passé dans ma tête là pendant la demi-finale, c'était putain merde, je suis en face de mon frère de beatbox. C'est un type, il est dans mon groupe, on se connaît par cœur, de A à Z. Tout ce qu'il fait, je connais, tout ce que je fais, il connaît, tu vois. Donc ça a été, franchement voilà, ça a été super chaud dans ma tête, je me suis dit vas-y c'est pas grave, je me donne à donf et voilà, je fais mon beat, je me fais plaisir. Qu'est-ce qui a fait la différence? T'as sorti une botte secrète, Ce qui a fait la différence, je pense, sur ce coup-là, c'est qu'à la fin, je me suis trompé sur un truc, avec une parole chantée et beatboxée en même temps. Je me suis un peu trompé sur le truc, mais après j'ai repris sur un truc hyper rapide qui, à mon avis, a plu au jury, quoi. Parce que c'était un truc que j'avais pas fait encore depuis le début du truc, quoi, depuis le début du show et tout. Ça donne. Gardons un peu pour la finale. Faut que je garde pour la finale, ouais, c'est pour okay, ça. Ok, Mike. C'est la finale du premier championnat de France de beatbox. Like the Undertaker, Mike Spoon, beat maker. That's you for this beatbox.
I bet your wife had your Honda Becker. My school beach becker. I can't afford this beach box. I bet your life had your Honda Becker. My school. My. I bet your wife had your Honda Becker. My school beach becker. Et je me demande si tu m'aimes. No, 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 you don't love me, and I know now. No, 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 you don't love me, and I know now. No, 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 no. Fait très 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 fort, on tient à te le dire quand même. Ah, c'est quoi tes impressions à chaud, tout bêtement? Mes impressions, je suis surpris, je suis complètement surpris. C'est bizarre, je sais, les gens me disent que je me suis mis dans le battle, dans l'esprit battle. À la base, j'étais pas battle. J'en ai fait que deux, celui d'aujourd'hui et un au TKO à Nantes. Et finalement, je me vois dans l'esprit battle. Dans la vie, je suis réservé et sur la scène, je suis quelqu'un d'autre. Nous, on a trouvé perso que t'étais super sport, que t'as toujours vachement respecté les adversaires que t'avais en face de toi. Et dis-nous dans quel esprit. Enfin, t'es resté dans le bon esprit. Quoi. Bon, ça c'est mon état d'esprit, mais c'est aussi l'état d'esprit dans la communauté des beatboxers en France. Voilà, en France, ça c'est un esprit qui règne et on est tous comme ça. C'est tous le respect. C'est un battle, mais voilà, Mike Spawn, il méritait son titre, même si c'est qu'un titre. Super sport. T'es monté en puissance au niveau technique, tu nous as sorti des bottes secrètes en finale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, hein, avec un peu plus de détails? Finalement, j'avais moyennement préparé le truc. J'avais toujours une petite feuille sur moi avec tout ce que je sais faire. Et j'ai gardé pour le meilleur pour la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent avec le klaxon, là. Et puis le dernier trick, ce que j'ai fait en écho, mais bon... Super, bon. Le style saccadé, terrifiant, voilà. Terrifiant. Je vois les platines, j'ai poussé à la chaise quoi, pour essayer de faire ça. Et moi je le dis franchement,
on a eu du Camelbox, on a eu du Mike Spawn, on a eu du Firebrass, on a eu du lourd, du très lourd, du Emmerich Eno, qui et j'aurais pas dû passer. Les juges ont dû avoir vraiment du mal. Le juge, c'est que t'as su imiter tous tes adversaires en fait. Ah, mais ça c'est une particularité. Je suis dans la recherche des techniques, de toutes les techniques qui puissent exister autour du beatbox. Et après, c'est du taf. Parce que c'est l'idée, c'est un peu d'arriver à faire ce que les autres arrivent à faire. Donc David, il va faire la bombe de peinture. Ok. Tu veux essayer de... Ok. T'es prêt? Ça doit être un truc comme ça, non ? Terrible, ouais, mortel. Merci beaucoup, LES. Et merci à vous. Merde. Enfin, c'est une sorte de tic, tu vois. Il y en a qui arrivent à mettre leur pouce sur le bras, il y en a qui arrivent à mettre leur truc comme ça. Moi, je fais. Voilà. Bon. Beatbox massive. Je suis un peu plus.